Salut les viewers, c'est Marcus Paulus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Starbound. Comment vous dire ça? Les planètes de type Frozen, vous sentez le malheur arriver, hein, n'est-ce pas? Les planètes de type Frozen sont les planètes sur lesquelles on trouvera le plus possible de RAM. Par conséquent, on reprend la flûte et malheureusement pour vous, on va se retaper la musique. Donc dans les FR Frozen, voilà, je suis désolé, c'est parti. Et on va chercher, de toute façon voilà, le combat va être la vitesse va être, la musique va être très très courte, puisqu'on tombe déjà sur des robots. Et c'est sur ces robots donc qu'on trouvera, enfin sur plusieurs types de robots qu'on trouvera dans ces biomes, qu'on trouvera potentiellement des barrettes de RAM à hauteur de 10%. Dégage. Merci. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils sont plus souvent dans une haute altitude. Un jour, j'arriverai à correctement parler. Ou au niveau des crevasses, voilà, comme j'allais le dire. Et donc, dans ces robots-ci, et on va essayer d'en trouver d'autres, hein, bien sûr. J'ai deux planètes Frozen dans le système, là où je suis, dans le système planétaire où je suis, là. Du coup, on va pouvoir peut-être faire ça en un seul épisode. Hop, je reçois des messages, c'est cool. Oui, c'est parce que c'est pour savoir en fait qui m'envoie des messages que je mets une vibration particulière. Là par exemple, je sais que c'est mon meilleur ami parce que c'était un thème de Star Wars. Hop, et quand c'est le thème de d'Harry Potter, c'est ma meilleure amie. Alors attendez. Je vois un coffre ici. Donc je prends les choses, c'est quoi ça? Boiler. Ah, sympa. J'ai une bouilloire dans le dos. Et donc on en trouvera aussi sur ces robots. À hauteur là aussi de 10%. Et voilà, on en trouve déjà une. Et il semblerait. Déjà deux, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il semblerait qu'en fait sur les. Plus le biome est spécifique. Enfin, par exemple, les robots qu'on a pu voir, les robots volants, sont des biomes qui sont pour le biome Tundra. Donc le biome Frozen en fait, les biomes neige. Mais par exemple, un mini biome Steam, avec des monstres particuliers de ce mini biome plus précis, apporteront plus de chances apparemment de tomber sur les objets rares. Alors de là à savoir à quelle hauteur, ils mettent 10% partout quand même, mais apparemment comme le fait est que c'est plus rare, eh ben on a plus de chance. Par exemple là c'est un circuit board, donc ce n'est pas ce qu'on recherche. Ce n'est pas du tout ce qu'on recherche, cependant on va peut-être farmer le biome. Une porte. Et ça apparemment je l'ai déjà, c'était la lampe. Hop, hop. Est-ce qu'on fait déjà demi-tour? J'ai peur qu'on arrive en bout de. Oh non, ça va, il y a encore du donjon. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. J'ai peur qu'on arrive en bout de donjon. Enfin, en bout de biome. D'accord. Raté. Hop. Voilà. Dommage que les coffres ne se re-remplissent pas. Ça aurait été cool. Hop. Voilà. Toujours pas de circuit de board. Dommage. Une fois qu'on en aura 15, on sera bon, chers amis, je précise. Hein. Au bout de 15, on sera bon. Je vais quand même, juste pour le plaisir de pouvoir le farmer correctement, alléger un petit peu l'endroit, qu'on puisse ne pas avoir à sauter tout le temps. Que juste en marchant, on puisse le faire. Voilà. Hop. Crac. C'est pas grave. Tiens, bouffe. Circuit de board, c'est toujours pas bon. Ok, là normalement nous sommes plutôt bons. On va bien voir si on a un... Hop. Static cell, on a eu ça. D'accord. Jusque là on n'a pas de problème pour remonter. Ici on va en avoir un. C'est de la neige cependant. Ça devrait aller assez vite. Slush et pixel. Donc ça c'est pas bon. Il va falloir que je rajoute un bloc ici. Ça va être chiant. hop.
Ok, apparemment il veut pas se placer là où je veux. Voilà, merci. Même on va faire ça plus simplement. Crac. Là aussi il va falloir que j'en rajoute de toute manière. Hop, oui, c'est pourquoi. Merci de bien vouloir dégager. Alors. Alors. Là, ça va passer, non. Si je veux pouvoir le farmer correctement, de toute façon, faut que je le prépare, le terrain. Hop, voilà. Voilà. Là, il n'y a pas de problème. S'il y a un problème ici, c'est bon. Même si on sera ralenti, donc c'est pas bon en fait. On sera ralenti ici, ça vaut pas le coup. Ça vaut pas le coup d'être ralenti. Alors, il y en a déjà un qui veut se rebattre. Vas-y, bah viens, je t'attends. Bam, reviens. Bam, voilà. On se revoit dans 12 ans. On s'était donné rendez-vous dans 10 ans. Je vais arrêter de chanter un jour. Ce serait peut-être pas mal hein, pour vos oreilles. Vos pauvres petites oreilles. Hop, là normalement ça se passe bien. Sur le reste du chemin, ça a l'air de bien se passer aussi. Bon, excepté là. Bah, ça devrait pourtant. Ça devrait. Oh. Voilà. Merci. Crac, ça se passe plutôt bien. Parfait, bah ça se passe plutôt bien, donc je pense qu'on est bon pour les allers-retours. Malheureusement on trouve rien ici. Ah, dommage. Hop, barrette de rame. Parfait. On se met de quoi se soigner. Parfait. Hop, je bute tout, hein, histoire d'être sûr. Parfait. Ça se passe plutôt bien. Et c'est le fail. dommage. Hop, voilà, ça devrait être bon, là. C'est bon. C'est bon. Parfait. Comme ça, je peux bourrer. Voilà. Et là c'est pas bon, mais de toute façon le biome est terminé. Hop. On y retourne. Ok. Hop, un petit peu de farm efficace. On attend 10, on en a 10 à peu près je pense. Là oui, 10 c'est ça. Hop, on dégage. Hop, parfait. Ça en fait une de plus. Nous sommes donc à 11, une fois qu'on en a 15, on aura le Néo Chakra, mes chers amis. Même si j'aurais préféré, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le présent épisode, le gant, l'autre gant, enfin un autre gant plutôt. Je sais qu'on a un de boxe, je préférerais éviter celui de boxe, à vrai dire. Là, on aura deux chakrams, je crois qu'il y en a un troisième, et puis après, c'est bon. Vérifie bien qu'il n'y ait pas grand chose d'autre de l'autre côté, mais apparemment non. Alors, continue. Non, c'était un classique. Je crois que c'était un robot. C'est pas un instant, j'ai cru que c'était un robot. Je l'admets. J'ai été. Ok, c'est bon. L'alerte est levée. Et rien du tout sur ce trajet, pratiquement. Hein. Ah non, elle roule à l'arrière, regardez, ça tourne à l'arrière du commande du boiler. Mais il n'y a pas de fumée, j'aurais bien aimé de la vapeur, moi. Ah non, c'est au niveau du chapeau qu'il y en a, je crois. Bah limite, je vais peut-être aller me... Si je trouve pas tout ça rapidement, je vais peut-être aller me changer. Pour remettre toute l'armure... Toute l'armure du biome. Oh, ça touche à peine. Et boum. Et il n'y a plus rien. On n'a pas de bol. Ah.
Hop, barrette de RAM, non, toujours pas. Ce qu'on va finir par faire, c'est faire le tour complet en fait de la planète et revenir ici. Parfait. Si on n'a rien sur le prochain aller-retour là, là on fait encore un. Hop. Là on fait un retour directement, on va dire ça directement, un retour. Hop. Si on trouve pas de barrette de RAM, on s'arrête là et on continue le tour de la planète. Pour diversifier sur plusieurs types de robots différents. Essayons des choses. Essayons des choses. J'ai une portée infinie avec ça ou pas? Oula. Ça a l'air très très moindre comme portée. D'accord. Ça va être chaud à utiliser encore ce truc là. Cette épée là, on va appeler ça une épée parce que ça ressemble à une épée. Bon, on n'a rien trompé du tout. Ah, attendez. Bah, le biome continuait. Hop, pourquoi pas. Il continuait pas longtemps. Ah si, quand même. Hop. Je suis le premier étonné, hein, je l'admets, là je suis assez étonné de la longueur du biome. Hop. Ah voilà, ça c'est pas le genre de robot que je cherche. Ok. Un petit peu de santé, ça va faire du bien. Crac. Hop. Il y a un coffre glace en dessous. Je vais le prendre. Rien de véritablement intéressant. Do you wanna build a snowman? Non, je sais que vous voulez la musique, chers amis. Je sens que vous la réclamez à tort et à cri. Si vous êtes sage. Allez. Hop, c'est parti. Chantez tous avec moi. Enfin, non, pas avec moi, justement. Je chanterai pas pour une fois. Alors. Oh putain. Ah non, t'es là, toi. Faut que je te bute. Hop, tu m'as rien donné. C'est sympa. Toujours agréable. Je vous ai vu. Hop. Encore un méga lézard là. Hop. Oh. Merci d'être passé. Je vais prendre les torches pour le plaisir, hein, mais. Ah. Voilà, merci. Hop. Génial. Quand on a de la chance comme moi, je comprends pas pourquoi on s'amuse à en chercher toujours plus, hein. Oh, intéressant. Et donc un shotgun avec des bombes collantes. Mouais. Mouais, mouais. J'arrive à trouver un peu plus de robots. T'es quoi toi? Non. Non, t'es moche. Non, t'es moche. Non. Toi tu vas me saouler aussi très très vite par contre. Tes copains aussi d'ailleurs. Ah ah ah, attendez. Elle m'a vu. On s'est regardé. Alors, il va falloir que je fasse quelque chose pour ce chakram. Hein. Ah. Il s'appelle Reviens. Hop, parfait. Ouh. Ça me gratte le bras. J'espère que vous l'avez bien entendu, mon petit gratouillage. Crac. Salut les mecs. Non. Alors, on n'en trouve pas des masses, hein. Hop. Niveau santé, ça va. Merde, j'ai pas imaginé qu'ils puissent m'attaquer comme ça. Pas à cette distance, bizarrement. Je sais pas pourquoi, ça m'est pas venu à l'esprit. Bon. Non. Ah merde, toi oui, par contre. Allez, venez me voir.
Hop, parfait. Santé. On en a besoin. Oui, moi aussi, j'ai entendu le santé comme une invitation à boire. Allègrement. Eh ben non, j'étais complètement mindé. Hop, toi aussi. Yo l'ami. Viens voir papa. Oh bah tu viens pas. Par contre on en trouve pas beaucoup plus là. On est toujours à 11, ce qui n'est pas top. Oh là là. Tout mais pas ça quoi. Ok. Prochaine fois ça m'apprendra, je resterai sur le biome où j'en trouve le plus. Hop. Ah bah le voilà. Alors est-ce que c'est exactement cet endroit là? Je ne sais pas. Je dirais oui. Je dirais oui. On y est revenu. Bon bah parfait, on va pouvoir le farmer. Oui c'est vrai, il faut deux coups pour ces trucs là. Faut que j'y pense. Hop, ça fait déjà 12, une de plus. Ok. Un de plus, hop. Oula, excuse-toi d'être passé dans les mailles du filet. Bah alors. Après je l'ai passé au fil de l'épée, dans les mailles du filet. Comment qu'on peut le dire d'autre encore? Il a aussi trépassé dans les mailles du filet. Oh, je l'avais pas vu ce coffre. Sympa. Par contre là ça devient trop éparse. Ça ne m'intéresse plus. Je sais ce que je vais prendre. Je dois avoir du verre, non encore? Hop, ça va augmenter ma vitesse de déplacement. Voilà. Vous voyez que ça allait finir par être utile. Ça allait finir par être utile, pardon. Circuit de board, malheureusement. Hop, je me suis trompé de bouton. Hop. Yo. Coucou. Tu veux voir mon épée? Alors. Et bim! Aïe, c'est vrai. Faut que je fasse deux coups. J'ai encore le marteau sur moi. À tout hasard. Non, je les ai virés tout à l'heure, je crois. Ouais, dommage. Dommage, dommage. Alors, un aller-retour, ça me coûte un verre. Pourquoi pas? Un aller-retour, ça me coûte un verre. Ah putain, je viens de me rendre compte de ma connerie. Bah, ça me semble être un prix correct, cela dit. Hop. Oh là, tu m'as raté. Oh, petit joueur. Hop. Tiens, bouffe. Merci d'être passé. Oh, tu m'as touché. Seriously? Alors s'ils sont si souvent là, je vais devoir faire quelque chose malheureusement. Hop. Si ça se joue à une case près, franchement, pas m'emmerder. Hop, voilà. Alors, suivant. Boum. Boum. T'avais rien sur toi? J'ai plus de verre. Il suffit de reprendre un verre. Hop, c'est bon. Crac. Next. Next, next, next. Allez. Il me faut encore 3 barrettes de rame. C'est rien. Hop. Demi-tour. Bam. Bam. Ok. Un petit peu de santé, ça pourrait nous faire du bien aussi.
Hop. Barrette de RAM, encore une. Donc on est à 13 de mémoire. C'est ça. Hop. Recule. Oh, t'as tué une saloperie à côté de toi. T'es vraiment un vilain petit bonhomme. Un vilain petit robot. C'est pas Astro Boy, le vilain petit robot. Je sais plus c'est quoi. Oh putain. Ah, ça remonte à loin. Mort, 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 mort. Ah, non, non, non. Non, c'est Casper, le vilain petit fantôme. Non, c'est pas ça. De mémoire. Hop. J'en ai pas trouvé le 14e. Non, on est encore à deux restantes. Allez. Tu peux le faire. Tu peux le faire. J'avoue, sur la deuxième partie finale, là, il est assez radin niveau robot. Le jeu, je parle. Hein. Hop. Non, pas de barrette de RAM. On a doublé notre fric depuis le début de l'épisode, par contre. Ou de l'épisode précédent, je sais plus. De l'épisode précédent, je pense. Hop. Non, c'est de la barrette de RAM que je voudrais, s'il vous plaît. 8 gigas. Attendez, c'est marqué combien de gigas elles font? Non, dommage. Hop. Une diode. Hop. Oh, tu m'as touché. Viens voir papa, t'as raison. Hop. Boum. Rien du tout. D'accord. Ok. Ce farm intensif. Boum. Crac. Dommage. Hop. Voilà. Peut-être un truc que je vais faire, c'est en fait à partir du moment où je dois farm. Ah bah non, parce que sinon ce serait avec l'arme de base si je le ferais. Et elle est pas très powerful du tout. Ah, on voit là deux autres. Allez. Deux barrettes de RAM là. Dommage. Déjà, ça sera difficile d'en avoir deux. Alors, déjà, d'en avoir une, ce serait cool. Et bah non. Dans le cululu. Donne-moi ma barrette de RAM. Putain. Ma barrette de RAM. Ma barrette de RAM. Ah, ça y est, j'en ai une. Donc, faut que je prenne cette voie là. D'accord. Bien, c'est noté. Ma barrette de RAM. Non, pas marché cette fois-ci. Ma barrette de RAM. Faut que je m'entraîne. Faut que je m'échauffe la voix. Astérix, Obélix. Qui n'a pas fait ça dans sa vie? Ma barrette de RAM. De RAM. Non, c'est pas le bon. C'est pas le bon, c'est pas le bon. Ma barrette de RAM. Non plus. Ma barrette de RAM. Dommage. Oh, il y a un coffre en dessous. Ma barrette de RAM. Oui. Ma barrette de RAM. Et là, en fait, en dessous, depuis le début, il y avait un blueprint. Oh putain, j'ai eu un doute. Bon, allons voir ce Néo Chakram. Alors. Hop. Néo Chakram. With destructive energy. Crackling with destructive energy, d'accord. Ça m'intrigue. Du coup, vu qu'on a les deux chakrams, maintenant on va les mettre en clic gauche et clic droit. Hop. Ouh, c'est joli. Ah putain, il s'arrête là. Oh. Il s'arrête là où je clique, regardez. Par exemple, si je clique, tiens, au niveau du... Tiens, là, pour entourer le truc. Bah, il met...
Forcément. Ah, par contre, est-ce qu'il rebondit? Apparemment, il rebondirait sur des... Ouais, mais là, je suis en trop haut. Ouais, il rebondit très légèrement, mais sans plus. Donc, par exemple, imaginons que je clique là autour du truc. Ah, c'est cool, ça montre où je clique, en fait. Et niveau dégâts, c'est comment? Beam down, on peut descendre. Hein. Commence à la connaître un peu par cœur, cette planète, de toute façon, mais bon, c'est pas grave, en soi. Bah oui, c'est beaucoup plus destructeur. Enfin, il fait 32 de dégâts. Je crois que l'autre en fait un peu plus. Genre 38, je crois. 48. Ah oui, quand même. Par contre, sur un ennemi immobilisé, oui, forcément, là, il fait beaucoup plus de dégâts. Oh là là. Ah, c'est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Bon. Bon, bon, bon. Eh bien écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. En tout cas, merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom, ma patronne dans la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens. Et yop.